Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui. Leilou Nishmat, Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Peggy Bat Esther, Liz Aliza Bat Frecha, Zara Bat Mazal Tov, Shishportish. Si vous souhaitez, vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah. Contactez le Sacrement Éternel. Nous étudions Sanhedrin, Perek Bet, Mishnah Dalet. Umotzi le Milchemet Arishut, Alpi Bet Din Shel Shivim Veichad. Upores la sorte de Derech, Ven Memachin Beyado. Derech Hamelech, Ein Lo Shio. Vechol Ha'am Bozezin Venotnim Lefanav. והוא נותן חלק בראש. לא ירבה לו נשים, אלא 18. רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יישא עינו. אם כן, למה נאמר ולא ירבה לו נשים? אפילו כאביגיל. לא ירבה לו סוסים, אלא כדי מרכבתו. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, אלא כדי ליתן אספניה. וכותב לו ספר תורה לשמו, יוצא למלחמה, מוציאה אמו, נכנס, מכניסה אמו. יושב בדין, היא אמו, מסב, היא כנגדו, שנאמר והייתה אמו, וקרבו כל ימי חייו. קוטינות נות משנה וכללכות דו מלך, דיון נות משנה קומס וכן ובר החיבור, קומסיקס ונפרז, כי קוטינות למשנה פרסדנות. אנו נסניון, סת פוסי, דיפרן דרוע כאלרוע, אינסוויט דמצוות פרטיקולייר, כלסטרניה. Comme on va tout apprendre, Bezrat Hashem. Ou Moshe le Melchemet Arishut, Alpi Bet Din Shel Shivim Ve'Echad. Nous avions introduit dans le Perek Rishon qu'il y a deux sortes de guerres. Il y a ce qu'on appelle les Melchemet Mitzvah et Melchemet Arishut. Melchemet Mitzvah, c'est les guerres que la Torah a imposé de faire contre Amalek et contre les sept peuples lorsqu'on a hérité de la terre d'Israël. On avait une Mitzvah de leur faire la guerre et les tuer tous. Depuis, toutes les autres guerres que l'on peut faire, pour élargir notre territoire, parce qu'on a besoin de quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle des milchemet arishut, permises, tolérées. Le roi a un droit d'imposer à son peuple de partir en guerre, bien sûr, avec l'aval du Sanhedrin de 71, le Sanhedrin de Yerushalayim. Donc c'est ce qu'il a écrit, au Moshe les milchemet arishut, il fait sortir son peuple à, dans les guerres de arishut tolérées, donc pas les guerres de mitzvah, Alpi Bet Din Shel Shivim Ve'Echad avec l'aval du Sanhedrin de 71. En réalité, on avait déjà évoqué que c'était plus compliqué. Il fallait aussi l'accord de la bracha du Kohen Gadol, avoir cette conserve avec l'Eorim Vetumim, le pectoral du Kohen Gadol aussi. Et seulement qu'on sortait, là on a raccourci. Deuxième sujet. Uporetz la sot lo derech ven memachin beyado. Une notion qu'on avait déjà évoquée dans Baba Batra. Le roi. Lorsque le roi veut passer, se rendre d'un point A à un point B, il a le droit de partir en ligne droite et de casser toutes les barrières sur son passage. On ne peut pas lui dire non, c'est ma propriété, contourne, c'est pas digne du roi, il est en droit, le pays d'une certaine manière, le pays lui appartient. Hachem lui a donné quoi? Pas complètement, mais en tout cas, il lui a donné des droits. Donc un de ses droits, c'est que s'il veut passer d'un point à l'autre, il casse la barrière et il passe. Ou poretz, donc il défonce la barrière, j'ai pas le bon mot, c'est-à-dire il fait tomber la barrière, il casse la barrière, il frotte. J'ai pas le mot. Il y a des heures où mon français ne va pas tellement bien. Donc, operez la sorte l'oderer, il casse il a le droit de défoncer les barrières pour se frayer un chemin. Ven memachin meyado, et personne n'est en droit de s'y opposer. Et en plus, derech hameler en lo shiur, le chemin pour que le roi passe, n'a aucune limite. C'est-à-dire, supposons que par exemple notre roi marche avec 5 cavaliers qui marchent avec 2 mètres d'écart, donc ça fait tous les 5, ça fait l'équivalent de plus de 8 mètres de large, 9 mètres comme ça, ils marchent tous. Supposons maintenant qu'ils ont, ils ont envie de casser la barrière et passer dans le champ. Question, est-ce qu'ils devront quand même réduire un petit peu la largeur, passer 2 par 2 au lieu de passer 5 par 5? Ça fait trop. Le chemin que se fraye le roi n'a aucune limite. S'il a envie de prendre 15 mètres de large et qu'il se déplace tous comme ça en largeur, eh bien il aura le droit de le faire. Autre sujet encore. Lorsque l'on sort en guerre et que l'on ramène du butin. D'accord? C'était l'usage. Aujourd'hui l'ONU ne serait pas tellement d'accord, mais bon, quand on va en guerre, on éclate l'ennemi et on lui prend tout son argent. Pire que ça, on fait des guerres parce qu'on a besoin d'argent, pourquoi pas. Ça reprend dans la Gemara. Donc,
Ça s'appelle la bisa. Ce qu'on rapporte de la guerre s'appelle bisa. Et le bisa, Malkoach, et plusieurs mots qui signifient plus ou moins la même chose. En tout cas, le mot général, le terme général s'appelle la bisa, d'où l'origine du terme bozezine. On prend de la bisa. Lorsqu'on leur apporte du butin, le peuple se sert, ramasse tout, mais ensuite on vient devant le roi et on lui dit, tiens, mon roi prend la moitié. Et le roi prendra la moitié, et il sera même aussi vonotel chelek barosh, et ce sera lui qui choisira la première part, soit à équivalence de valeur. Il y a des objets qui sont quand même plus raffinés que d'autres, il sera en droit de les choisir. Autre sujet, cette fois-ci, on va ouvrir le Chumash, histoire de mieux comprendre le Passouk. Il y a un Passouk, Dvarim Yudzayin, c'est Parashat Shoftim. Là-bas, il y a la Parasha qui parle du roi. Asima alay melech. Ki tavo el haaretz asher Hashem elokecha. On est dans Parashat Shoftim, Sheni, le Perek 17 de Dvarim, Passouk Yudalet. Ki tavo el haaretz asher Hashem elokecha notanecha virishta viyashavta ba v'amarta asima alay melech. Lorsque vous arriverez en Eretz Israël et que tu décideras de te nommer un roi sur toi, Asima alay melech, et comme tous les rois qui sont, tous les peuples qui sont autour de moi, tu te mettras sur toi, comme on avait rapporté le mot, tu te mettras sur toi, ça veut dire que tu te soumettras à un roi même, tu désigneras un roi auquel tu te soumettras, que le roi qu'Hachem aura décidé. Parce qu'on constate le rhum et le mim, mais qu'il y a des fait plusieurs alakha. En tout cas, le passouk d'après nous rapporte les trois restrictions du roi et la mise en particulière de construire, de décrire un Sefer Torah. Soit, Rak loyar velo susim, il n'aura pas de grand, trop de chevaux, il ne multipliera pas ses chevaux, il n'aura pas le droit d'élever des troupeaux de chevaux. Velo yashiv et amitzraimad, afin qu'il ne rapporte pas, qu'il ne fasse pas que le peuple va retourner en Égypte, parce qu'en Égypte il y avait beaucoup de chevaux. On saute ensuite le passage d'après. Velo yar velo nashim, velo yasur le bavo. Il n'aura pas beaucoup de femmes, et son cœur, afin que son cœur ne s'écarte pas. Et le passouk continue et nous dit, le kesef vezav lo yar velo meod, et l'argent et de l'or, il n'en aura pas. Énormément. Vaya qui chiffre. Après, il y a la fin du Sefer Torah, on reviendra dessus ensuite. Soit trois mitzvot particulières, l'interdiction pour le roi d'avoir, d'élever trop de chevaux, et la Mishnah va nous donner quelle quantité de chevaux peut-il élever. Ensuite, quel est l'interdit exactement? Il n'a pas le droit d'avoir plein de femmes, on va prendre dans la Mishnah que 18, c'est ça qu'on va parler. Et aussi, il interdit d'avoir trop d'argent et d'or, de cumuler des trésors de trop, uniquement ce qu'il a besoin pour diriger son pays et pour s'entretenir de manière large, correcte, mais ne pas cumuler pour avoir du pouvoir uniquement. Tout ça, ça a pour but que le roi reste soumis à Hachem. Précisons maintenant, il y a marqué Lo yarbel onashim velo yasur levavo. Il ne multipliera pas trop de femmes, il sera limité à 18 femmes, comme on va voir. Et il n'écartera pas son cœur, et son cœur ne s'écartera pas de la voix d'Hachem. Soit il y a un rapport entre les femmes qu'il va voir et le fait que ces femmes vont l'influencer à s'écarter des voix d'Hachem. Et c'est sur ça que notre Mishnah maintenant va traiter. De quoi on parle exactement? Je vous l'introduis tout de suite, ce sera plus facile ensuite de le lire à l'intérieur des mots. On va prendre d'abord de David Ameler. David Ameler avait au début 6 femmes. Et le Navi lui a dit, et je te multiplierai tes femmes, kahena vechaena, comme celle-là et comme celle-là. Donc 6 fois 3. Donc si je te rajouterai, Hachem lui promet qu'il aura encore d'autres femmes, 6 de plus, et en kahena vechaena, comme celle-ci et comme celle-ci. Donc une autre fois 6, une deuxième série de 6 et une troisième série de 6, soit 18 femmes. David Amalek avait 18 femmes, comme vous connaissez sûrement la Haftara, ensuite avec Avishag à Shunamit, quand le roi David est devenu vieux, il avait froid, il a fallu trouver une jeune femme qui a plus qui dégage plus de chaleur corporelle. Et là, il y avait un problème, c'est que c'était sa 19e femme, il ne s'est pas marié avec elle, il n'a pas entretenu de rapport, si ce n'est le fait qu'elle dormait près de lui pour lui réchauffer son corps. Et maintenant, on revient maintenant sur notre Mishnah. Donc de David Amalek, on apprend 18 femmes.
18 femmes, et la Torah nous dit pour que son cœur ne s'écarte pas. Question. Si il a des femmes tzadikot, pourra-t-il avoir 18 femmes? Ou s'il a une seule femme mauvaise, aura-t-il le droit d'épouser quand même? Une femme mauvaise, ça signifie une femme proutza, comme ça là, il rapporte le Bartanora. Une femme proutza qui est un petit peu trop extravagante, qui n'est pas une grande, la grande tzadika Yirat Shamayim, qui fait des tfilotes et qui dit des télims tous les jours. D'accord? Une femme qui est plus moderne, qui se fait belle, plus, qui est plus attirante, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça implique. En tout cas, on va parler de femmes proutza et de femmes tzadika. D'accord? On a deux extrêmes. Alors maintenant, le pasouk nous dit, il n'aura pas trop de femmes, afin qu'elle ne l'écarte pas son cœur. Donc s'il a une femme tzadika, comme David Amelech, il avait une femme qui s'appelait Abigail, spécialement il avait plusieurs femmes tzadikotes, notamment Bathsheba, mais une particulièrement, c'était Abigail qui était partie, qui avait fait un retour de guerre de David Amelech, elle était partie, elle avait préparé à manger pour tout le régiment, avant que ce soit sa femme. Après, c'est fait, justement, quand David Amelech a vu cette tzidkout, il s'est marié avec elle, ça c'était Abigail. Alors maintenant, question. Le roi n'a pas le droit d'avoir trop de femmes, d'avoir plus de 18 femmes. On parle de, donc, la 19e femme, on parle d'une femme qui est proutza, ou une femme qui est même tzadika, lui interdite. Et sur ça, il va y avoir trois avis. Le premier avis va nous dire 18 femmes et c'est tout, mais peu importe quel type de femme. Rabbi Yehuda va venir et va nous dire non, 18 femmes, c'est si c'est des femmes normales. Mais si tu trouves la 19e, la tzadika chez Batzadika, t'as le droit de la prendre. Et Rabbi Shimon va nous dire non, sache que t'es 18 femmes, quand je te permets 18 femmes, c'est 18 femmes tzadikot. Si on a une que t'as un doute, est-ce qu'elle est tzadika ou pas, t'as pas le droit de te marier avec elle. D'accord? Même une seule qui sera mauvaise. Et c'est ce que la Mishnah nous enseigne tout de suite. Il n'aura pas le droit d'avoir, de multiplier, c'est d'avoir trop de femmes. Et la Shemona Israël, uniquement 18, source de David Ameler. Regardez que Tanakama ne précise rien. Soit, peu importe, qu'elle soit tzadika, pas tzadika, tu gères ta barque comme tu veux, tu l'amènes comme tu veux, tu ne déplaces pas les 18, mais à l'intérieur des 18, tu fais ce que tu veux, tzadika ou pas tzadika. La Biouda Omer, Marbe Hulo, il a le droit d'en avoir plus que 18. Au Bilbad, chez l'Oyou Messirot et Libo, à condition qu'il soit certain qu'elles ne vont pas l'écarter du Léassir, ça veut dire faire dévier son cœur. Elles ne vont pas faire dévier son cœur. Donc d'après Rabbi Yehuda, le 18, c'est si c'est des femmes normales ou même pas forcément glad kacher, ouais, plutôt uniquement très matérialiste. Mais la 19e, si t'es sûr que c'est une grande tzadika, t'as le droit de la prendre. La Torah ne t'a pas limité face à elle. Et Rabbi Shimon Omer, pas du tout. Afilu achato mesira et libo, si on sache que si t'en as même une seule qui va écarter ton cœur, areze loisa ena, tu n'auras pas le droit de te marier avec elle. Et la imken la manemar veloyar belonashim, alors dans ce cas-là, pourquoi le pasouk a-t-il dit tu n'auras pas plein de femmes? Afilu ka Abigail, même si elles sont toutes sadikotes comme Abigail, tu n'auras pas le droit de te marier avec 18 femmes. D'accord? Maintenant, pour mieux comprendre la profondeur, la discussion, c'est toute une question, que faire avec un pasouk qui nous donne une raison? C'est un long sujet, c'est un vaste sujet, mais est-ce que, c'est sûr que les misodes de la Torah, elles ont des raisons, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a la raison qui ne vérifie pas la misode de la Torah? C'est un sujet vaste, ça s'appelle, est-ce que Dorshim Ta'ama Dekra ou Lo Dorshim Ta'ama Dekra? Est-ce qu'on interprète la Torah en faisant entrer la logique ou non? Rabbi Shimon, dans toute la Torah, dans tout le Jas, Rabbi Shimon c'est celui qui est Rabbi Shimon Doresh Ta'ama Dekra. Lorsque Rabbi Shimon voit une mitzvah, il fait fonctionner une logique rationnelle, et à partir de cette logique rationnelle, il va se mettre à déduire des halakhot. On avait déjà évoqué d'ailleurs ce principe dans Bava Metzia lorsqu'on parlait de l'interdit de la mitzvah de restituer un gage à une veuve. On ne va pas réouvrir le sujet de là-bas, mais on va se concentrer ici. Le roi n'a pas le droit de se marier avec une femme, et le pasouk nous précise cette fois-ci une raison. Alors, d'après Rabbi Shimon, même si la Torah ne nous avait pas précisé afin que son cœur ne s'écarte pas, on aurait directement déduit le fait que tu n'as pas le droit d'avoir plein de femmes, parce que les femmes, ça peut être dangereux, ça peut te faire dévier ton cœur. Partant de ce principe, pourquoi la Torah a besoin de me dire « Et son cœur ne déviera pas de mes chemins ?» Pourquoi la Torah a eu besoin de le préciser? Alors Rabbi Shimon va nous dire ben, « C'est une nouvelle restriction à partir de la restriction. Soit, je t'ai interdit d'avoir plein de femmes, et tu avais déjà compris que c'est parce que trop de femmes, ça risque de te faire tourner la tête. Et j'insiste,
Et ta tête ne tournera pas pour te dire que même si tu en as une seule qui risque de te faire tourner la tête, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Selon Rabbi Yehuda, ça fonctionne tout à l'envers. Lorsqu'on a un pasouk qui ne donne pas de raison, on n'a pas le droit de le faire entrer dans la tête. On le prend en tant que Xerat HaKatuv. C'est un décret d'Hachem, on ne discute pas, on ne commence pas à dire oui, mais dans cette condition, pas comme l'erreur, si on peut parler ainsi, de Shlomo HaMelech, qui s'est dit, moi je vais, puisque le Shlomo HaMelech c'était le plus sage des hommes, il a dit, moi je vais marier avec plus de femmes, et elles ne vont pas me faire tourner la tête. Et il s'est marié avec 1000 femmes, et elles lui ont fait tourner la tête. Selon Rabbi Yehuda, donc, lorsque la Torah nous donne une usa, on la prend en tant que décret, on n'a pas le droit d'enfreindre. Et là, la Torah elle a précisé une raison. C'est la Torah la précédente raison, c'est venu pour. C'est donc, ça a été un ajout pour t'apporter une précision supplémentaire, pour te dire sache que ce que je t'interdis plus de femmes, c'est Be'era von Mugbal, à responsabilité limitée, dans la mesure où elles ne vont pas te faire tourner la tête. Mais si tu estimes que la 19e ne va pas te faire tourner la tête, tu n'as pas le droit de la prendre. Et Tanakama, lui, il prend ça en tant que Xerat HaKatuv, avec la Torah qui donne, certes, un peu d'explication, de comprendre la raison, mais pas pour en déduire de la baïna la Khalima assez. On a fait donc les trois avis. Et on continue sur la deuxième, la suite. Loyal Belosusim, il n'accroîtra pas ses troupeaux de chevaux. Et la Kedem Merkavto, uniquement pour ce qu'il a besoin pour sa cavalerie. D'accord ? Autant qu'il a besoin pour ses soldats, il pourra avoir des chevaux, pour toutes ses ministres, il aura le droit d'en avoir, mais sûrement pas pour élever uniquement des troupeaux, que c'était un signe de richesse à l'époque. Il n'aura pas le droit d'en avoir de trop. On n'a pas précisé combien. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Ensuite. Une petite seconde, je regarde ici. Dans le Tiferet Israël. Non, il n'a pas précisé non plus. Il n'aura pas le droit de cumuler trop d'or et d'argent. Et là, Kedeliten Aspania, uniquement pour bien gérer son royaume. C'est-à-dire, prévoit large. Il n'y a aucun problème. Manger large. Apprécier, rouler en grosse Mercedes plutôt qu'en simple Mercedes. Mais en tout cas, pas ensuite, ne pas cumuler uniquement des trésors et des trésors non plus finir. Ça fait entrer de l'orgueil dans le cœur tout simplement. À part ça maintenant, nouvelle mitzvah de la Torah, donc c'est le passage juste après. Vaya keshivto al kisem amlarto, et ce sera lorsqu'il siège, il s'assoira sur son trône. Il s'écrira ce Mishneh Torah, cette deuxième Torah sur un Sefer, et ce Sefer Torah sera avec lui. Il lira dedans tous les jours de sa vie, et il y en a plein, afin que la Torah précise, afin qu'il reste fidèle à Hachem et à toute la Torah, et que son cœur ne s'enorgueillisse pas. La Torah maintenant. La Mishnah va venir nous enseigner. Tout d'abord, il faut savoir que chaque juif a un devoir d'écrire un Sefer Torah dans sa vie. C'est délicat. Est-ce que l'on s'acquitte en s'associant à une écriture de Sefer Torah? Le principe, il y a quand même une halakha que c'est bon à connaître. C'est un petit peu hors sujet, mais ça nous touche d'abord. Si on fait des cours de Torah, c'est dommage de ne pas le savoir. Chaque juif, de là-bas, déduit que chaque juif a le devoir d'avoir chez lui, à la maison, un chumash. Et on s'acquitte ainsi, en ayant chez soi un chumash même imprimé. Le but de cette mitzvah d'avoir un Sefer Torah chez soi, c'est pour étudier. Donc vous imaginez bien, un gros lot de Sefer Torah dans une synagogue, à notre époque, c'est plus tellement utile, à titre personnel. C'est certes la belle mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Si vous avez de l'argent, faites-le, kol hakavod. Mais en tout cas, le tour déduit qu'il y a un devoir d'abord minimal que chaque juif ait chez soi des livres pour étudier la Torah, du chumash, du navi, d'un chasse, un shulchan aruch, un tour, un rambam, j'en ai plein dans le salon. Et d'accord, ça fait partie du devoir de chaque juif d'avoir le maximum de livres pour étudier la Torah, pas uniquement pour en faire une belle bibliothèque. Maintenant, on revient sur la mitzvah du Melech. En plus d'avoir chacun chez soi un Sefer Torah, donc à l'époque, la Torah orale était orale, et la Torah écrite, c'était un Sefer Torah écrite, on ouvrait le Sefer Torah, chacun avait chez soi un Sefer Torah, qu'il ouvrait, il étudiait dedans, il expliquait les drachot, toute la Torah orale, il la faisait rentrer à l'intérieur de la Torah écrite. Le roi avait la mitzvah d'écrire un deuxième Sefer Torah, un plus petit Sefer Torah cette fois-ci, qu'il gardait sur son bras, constamment, et ouais, il l'attachait avec... ça existe des Sefer Torah qui font une trentaine de centimètres, comme les petits Sefer Torah de Simchat Torah qu'on donne aux enfants, mais écrit vraiment en parchemin bien travaillé, bien affiné.
Donc le roi a un devoir d'écrire un tel Sefer Torah dans lequel il peut étudier constamment. Et ce deuxième Sefer Torah, c'est pas un Sefer Torah qu'il laisse à la maison, c'est un Sefer Torah qu'il prend avec lui lorsqu'il sort en guerre, lorsqu'il rentre de guerre, lorsqu'il mange, lorsqu'il se couche. Et c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Écoutez, le Sefer Torah Lishmo, il écrira un Sefer Torah en son nom. Ça veut dire quoi en son nom? En tant que roi. Soit, s'il a écrit un deuxième Sefer Torah quand il n'était pas encore roi, il devra écrire un deuxième Sefer Torah. Je comprends. Je ne l'ai pas vu écrit, mais comme ça je déduis. Yotse la milchama, lorsqu'il sort en guerre, motzi haimo, il sort avec ce Sefer Torah. Nichnas, il rentre de guerre, machnisa haimo, il la ramène avec lui. Yoshev badin, il va s'installer pour juger. On parle dans ce cas-là d'un roi de Malchut Yehuda, puisqu'on apprenait qu'un Malchut Israël ne juge pas dans la Mishnah précédente. Donc, s'il s'installe pour juger, hi imo, elle reste avec lui, à côté de lui. Mesev, il va s'accouder, se détendre. Hikenegdo, il la laisse face à lui. Chez Nehemar, comme le pasuk nous dit, Veita imo, elle sera avec lui. Vekara bo kol yemei chayav, et il lira durant tous les jours de sa vie. On a fini la Mishnah, enfin, faisant le bartel droit. Les Milchemet Arishut, il sort faire une Milchemet Arishut, une guerre tolérée, pas une mitzvah, soit Milchemet Shav Umot, toutes les guerres contre tous les autres peuples, Chutzmi Milchemet Amalek ou Milchemet Shiva Amamin, à l'exception de la guerre contre Amalek et de la guerre contre les sept peuples, que cette fois-ci c'est une mitzvah. Et c'est une mitzvah, ça s'appelle une Milchemet Mitzvah, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de l'accord du Sanhedrin. Ou Poretz la Sant Loderer, donc il a le droit d'être Poretz Geder Shalchim, il a le droit de défoncer les barrières des autres, la Sant Loderer, pour se frayer un chemin, la Lechet le Carmol Sado, pour partir voir sa vigne, son champ. Personne ne peut l'empêcher. Lorsque l'on rapporte ensuite le butin de la guerre, alors il prendra un chelek berosh, chelek ayefe borer rishon. Il prend la belle part en premier. Venotel merza mikola biza. Il prend la moitié de tout le butin. On passe à présent aux femmes, les 18 femmes. Shmona esre. Sha'arei David ayolo shesh nashim. Car David avait 6 femmes initialement, avant de devenir roi. Vekahamar le Navi, et le prophète lui dit, Vim me'at vosifalar kahena vechaena, et je te rajouterai, je te rajouterai kahena vechaena, comme celle-ci et comme celle-ci. Kahena kama shit, le premier kahena pour inclure 6 nouvelles femmes supplémentaires, vekahena batra shit, areyutret, et un deuxième kahena pour t'apprendre 6 femmes supplémentaires. À notre époque, on a du mal à comprendre, mais c'est un signe de grandeur d'avoir plein de femmes. Et encore chez les Arabes, les Palestiniens, qui se marient avec 2 et 3 femmes, c'est un signe de, autant qu'on a plein d'argent, on a 2 maisons avec dans chaque maison, une femme et 18 enfants avec chacune. C'est un signe d'honneur, c'était comme ça la même chose à l'époque. Marbe Oulo, là on passe à Rabbi Yehuda qui nous permet d'avoir plus, qui permet au roi d'avoir une 19e femme, même si c'est une tzadika. Yoter mi yutret, même plus que 18. Veshalosh machlokot yesh badavar, il y a sur cela 3 avis donc. Tanakama sover no se yutret, vafelo prutsot. Yoter mi yutret lo isa. Le premier avis, Tanakama pense que l'on peut se marier avec 18 femmes, même si elles sont prutsot, elles sont frivoles. Veyoter mi yutret lo isa, mais plus que 18, il n'aura pas le droit de se marier. Vafelo ksherot, même si c'est des ksherot et tzadikot. Shekach ukzerat akatuv, comme ça le décret du pasouk. Le verset a décrété. Rabbi Yehuda sauver, ça va, non se yutret, va filo prutsot. Rabbi Yehuda pense qu'il pourra se marier même avec 18 femmes, même si elles sont frivoles. Va yoter mi yutret prutsot, lo yissa. Plus que 18 femmes, il ne pourra pas. Va yoter mi yutret, mais plus que 18, il manque une virgule. Va yoter mi yutret, mais plus que 18, prutsot, lo yissa. Des frivoles, il ne pourra pas se marier. Va ksherot va gunot, yissa kemoshe yirtse. Par contre, si elles sont ksherot et dignes, il pourra en prendre autant qu'il veut. Opaliga Tanakama Bechada. Donc il discute sur Tanakama sur un point, qu'elle a le droit d'ajouter parfois 18 femmes, celles sont tzadikot. Rabbi Shimon Savar Afilo Achat Prutsa Loïsa. Rabbi Shimon pense que même une seule frivole, il n'aura pas le droit de se marier avec elle. Vekshirot Vagunot, et si elles sont tzadikot, Loïsa Yoter Mishmona Esre. Alors il n'aura pas le droit de dépasser les 18. Opaliga Tanakama Bechada. Donc il discute sur Tanakama sur un point, que Tanakama permet de prendre 18 femmes, quelles que soient les femmes. Tanakama, Rabbi Shimon pense, non, uniquement des tzadikot. Rabbi Yehuda, Betarte, il discute donc doublement sur Rabbi Yehuda. Alakha est Tanakama, Alakha est établi comme Tanakama. Donc, si vous devenez roi, ben, vous voulez mettre à 18 femmes, mais c'est 18, vous pourrez faire ce que vous voulez.
Ela kede mergavto. On passe ensuite aux chevaux, à la cavalerie, uniquement ce qui est nécessaire pour sa cavalerie, soit davka susim betelim la chiv dato litgadel berov susim asur. Ce qui est interdit par la Torah, ce sont des susim betelim, des chevaux betelim qui ne servent, qui n'ont pas de fonction particulière, la chiv dato pour élargir sa, son esprit, se sentir bien à l'aise, litgadel pour se grandir, berov susim asur. Alors là, c'est interdit. Aval keder rikhbo farashav, par contre pour sa cavalerie, les lachembo yvav motar, pour lutter contre ses ennemis, vadaïk c'est permis. Aspania, il y en a qui disent qu'il faut lire afsania, pas aspania, mais en tout cas c'est schar chayalot, là on parle de l'argent et de l'or. Ce qui est nécessaire, schar chayalot anichnasim yotsim eimo kol hashana, le prix à payer pour toutes ces armées qui sortent et qui rentrent avec lui, elles ont, il faut les rémunérer, donc. Il prend tout ce qu'il faut, il a le droit de cumuler plein d'argent pour les rémunérer. Mais pas pour les cumuler des trésors uniquement. Mais quand il Sefer Torah l'Ishmo, il devra aussi décrire un Sefer Torah en son nom. Chutz mi Sefer Torah shechayev kol adam miYisrael liyot lo Sefer Torah vehu monar bevet gnazav. Excepté, à part le Sefer Torah que chaque juif a le devoir d'écrire et de garder chez soi, bevet gnazav, dans sa maison. Mais Sefer Torah, il a un devoir d'écrire, lui le roi d'écrire un deuxième Sefer Torah. Mais Sefer Torah, chez Kotev Lishmo, chez Umelech, Nichnas Yotzei Motamin. Et donc ce petit Sefer Torah qu'il écrit lorsqu'il est devenu roi, il devra être avec lui, le faire sortir, le faire entrer constamment avec lui. Meisev al Shulchan, lorsqu'il il s'assoit, oui bien sûr, j'ai compris pourquoi le Barton rajoute ça. Meisev al Shulchan, c'est qu'il se. Meisev, c'est qu'il se détend, qu'il se couche. Alors le Bartholomew nous dit non, c'est sûrement pas qu'il se couche. Lorsqu'il va dormir, c'est sûr d'avoir le Sefer Torah avec lui. On n'a pas le droit de dormir un couple là où il y a un Sefer Torah, un livre de Torah qui est à côté de soi. Donc forcément le Bartholomew nous précise Meisev à la Shulchan, lorsqu'il va s'accouder pour manger. Alors là, il devra avoir le Sefer Torah face à lui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha.